C'est un super album. Vraiment. Je vois un film de ma mère que même le track. Ça, c'est ton playlist. Ouais, ouais. Même la playlist, elle est magnifique. Max. Tu sors d'un film, tu rentres dans un autre. Quand même, ça fait quand même, tu vois, c'est des morceaux importants. Tout l'album, il est en train de tuer, tu vois. Là, c'est que des petits coups de fonds métallisés, tu vois. Chez moi, ça faisait 3 mois que je t'ai pas rentré, que du taf et tout. D'ailleurs, j'ai perdu beaucoup de poids. Je viens de me rendre compte. Il faut que tu rentres dans ta réalité. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai un show. Ce soir, là pour l'instant, on va au tube. C'est Nouvel Chicha qui vient de faire son ouverture sur le bail. C'est une grosse chaîne qui existe en France. Il y en a partout, Montpellier, Paris, 95, Saint-Denis, Toulouse, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va aller. C'est mon ami qui l'a. Ouais, c'est une petite inauguration, une petite opening soft. Je te dis t'es un sort à l'aise. Fais du bip, profite du bip, je suis vrai. Je suis bien. C'est les minimums, la RM au bras. Ouais, gros, je suis vrai. Je suis bien. C'est les minimums, la RM au bras. Ouais, gros, ouais, gros. Faut faire des loups, faut faire des loups. Poto, ce soir, si je bois tout ça, je finis au star. Un tir en quart. Fais-toi tout belle. Je sais pas comment tu t'appelles, mais tu vas me faire le grand écart. Je suis pété, je suis pété. Je vais trop vite, je vais trop vite. Mon bébé porte sur elle mon P38. J'ai récupéré des sous, mais la sacoche est trop petite. Alors mon bébé porte sur elle mon P38. Moi j'aime bien, c'est le salon à David Beckham. Je venais souvent moi à Barcelone avant. Je suis déjà resté 2 mois ici, j'ai laissé une barbe comme ça, j'avais pas confiance. Je me rappelle une fois j'avais dit à mon pote, je l'avais conseillé un barbeur, il s'est fait éclater, ouvrir la tête, tout. J'ai dit bah j'irai jamais dans un barbeur. Faut que la frappe de la frappe, mais j'ai trouvé que je vais juste la marquer ça. Je suis très lourd. Gros studio, grosse session, improvisé comme as. On essaie de remettre une situation à l'ordre du jour. Et en fait, le mec qui s'appelle Reda l'Égyptien, son surnom, il a vraiment existé. Et donc, j'ai fait la première partie où justement, le mec, je me mets dans la peau d'un mec qui se fait donc niquer par Reda. Je me fais interpeller par la police et je rentre en prison. Donc là, j'arrive en prison et justement, il y a You qui est déjà incarcéré. Ouais. L'anecdote, c'est que You, il connaît Reda l'Égyptien. C'est qu'en fait, Reda, il a déjà niqué un de ses amis. Donc, pour l'anecdote, tu vois, l'histoire, elle est vraiment crédible. Et on était en plus ensemble en prison pour de vrai. Donc, voilà, c'était la meilleure personne pour le faire. T'en passes et rien de bon. J'ai grandi avec le seum. C'est pareil toutes les nuits. Mais ma béquette est sans seum. C'est lourd, madame, non? C'est bien, entre You et moi, il y a une alchimie, ça va vite. C'est fluide. Franchement, on a été très créatif. Je suis content parce qu'on est arrivé, il n'y avait rien. Ils avaient préparé une instru avant que j'arrive. Je suis venu, j'ai écouté, bah, franchement, j'ai kiffé direct, j'ai accroché. Le thème, il me parlait énormément. Le challenge, j'ai kiffé. Et
ce que je kiffe, c'est qu'on a réussi à terminer le morceau vraiment hier soir. Ça veut dire en début de session, comme je t'ai dit, on n'avait rien. À la fin, on avait un morceau terminé. Et franchement, c'est un morceau, pour moi, c'est une dinguerie. Franchement, on a fait une dinguerie. Quand on l'a réécouté, tu sais, vraiment, en fin de session, je réécoutais le truc, j'ai dit waouh. Et là, carrément, là, je suis pressé de le réécouter, tu sais, encore le lendemain. On a pondu un classique, donc je suis plus que satisfait. Bébé, quand tu te ramènes la paix, ce fils de pute, tu sais vendre pendant que les condés sont balais. C'est à paye que tu montes. Je vais rester debout à fumer par la fenêtre, j'ai toujours pas comment j'ai fait pour me l'arriver là. Après demain, je devais me barrer à Marbella. Ils ont pété ma bella et saisi ma villa. L'avocat va me casser le dos pour que je me barre de là.